Je savais pas. Tu vas bien me servir. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Ça pourra servir.
La vache. Grande saloperie. Ok, c'est bon. Plus beaucoup de munitions. Je t'ai eu. La viande.
il me les faut. Ça de plus près. C'est de l'autre côté. Voyons voir. Quel côté ? T'es à moi maintenant. Thank you.
Cope, je vais jeter un œil au camp de drifters près de l'autoroute. T'as plus d'infos? Pas énorme. Ils ont suivi un de nos ravitaillements. D'un peu trop près. J'ai envoyé un gars voir de quoi y retourner. Il est jamais revenu. T'as envoyé personne à sa recherche? Si. Un certain Deacon St. John. Terminé. C'est ça. Ok, voyons ce qu'on a ici. On avance. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. On a quoi? Je m'en sors bien. J'ai vu quelqu'un. J'en ai plus besoin que toi. Chut, la ferme, je vais te libérer. Quoi? Quoi? Vous êtes pas... C'est Copland qui m'envoie, allez, debout. Oh, oh mon Dieu, merci, merci. Allez. Ils nous ont suivis, en mission de ravitaillement, je savais pas quoi faire. Hé, hey, tais-toi, tu peux courir? Hein? Ouais, ouais. Alors cours, vas-y. Merci, je dirai à Copland que vous m'avez sauvé.
ça ? Hop, j'ai trouvé ton gars. Il est vivant ? Tout juste. Il est à pied. Tu ferais bien d'envoyer quelqu'un le récupérer. Entendu. Merci, Saint-John. Terminé. Saint-John, ici Copland. Nanny dit qu'il a trouvé une pièce pour ta bécane. Je suis pas sûr d'avoir assez de crédit. Quand ce sera le cas, passe le voir. Il te la montrera. Terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh non, je me demande s'ils ont laissé quelque chose d'intéressant. Les munitions. Con Saint-John, ici Mark Copland. Je voulais juste m'excuser pour toute cette histoire avec ta moto. Après tout ce que t'as fait pour le camp, je crois que je t'ai jugé trop vite. Enfin voilà, encore des fois. Je vais chercher des sens. Rien de tel que la ferraille. Et voilà. C'est bon.
de pute. Schizo, c'est Saint-John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin ? Non, Schizo, RAS. D'Ivoire, j'ai combien de temps devant moi ? Quoi ? De quoi tu parles ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Il y a quelqu'un. Ouais, tuez-le. Nous devons nous battre. Calme. Montrez lui la voie. Je suis pas. Il est libéré. Nous te montrerons la voie. J'avance.
Première nouvelle. De la parole de... Ça y est. Il faut que je recharge. C'est pas trop tôt. Saloperie. Ouais.
s'en servir. Je te prends ça. Putain, quel bordel. J'aurais dû le voir venir. Ah.
Des antibiotiques. Faut que je trouve des antibiotiques. Ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à mon moteur. On va le remettre sur pied. On pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait.
Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky, à toi. Fais chier, ok, d'après où je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je... Ricky, désolé, j'ai pas le temps là, tout de suite. J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Oh, une minute, c'est bouseur, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, bouseur? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Skizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash. Le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces qui tendent le site du crash vont toutes vers le sud! J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois! On peut pas se fier à eux! Tu parles comme Skizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ah, ouais, super! Maintenant, tu me prends pour le larbin de Skizo! Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter, du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Skizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu me fais mâcher le travail. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On n'a jamais forcé personne à nous suivre. Et Tucker? Tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, dormi depuis plusieurs jours. Il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi. Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur compte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. William,
William, si tu m'entends, je te demande de te calmer. Paddy, qu'est-ce qui se passe? Loser! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais écoute, quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh, non. Déconne. Non. Déconne. Non, c'est hors de question, pas question. Je peux pas déconne, te laisser lui faire écoute-moi. Ça. Écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi. J'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir. Allez, on est en train de le perdre. D'accord. Très bien. Ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Hé, hey, frérot. Écoute, il faut que... Tiens-le ici, okay. Tiens-le. Vic. Ok. Tiens-le fermement. D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va le perdre. Non, ça biche le sang. Il faut arrêter là, il biche le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le. Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le. Eh, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieur en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Eddie. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Ça va? Hello. Bien, jolie récolte. C'est tout. Ah, ok. À plus. Salut, toi. Hey, comment ça va?
Tu attends quelque chose ? Ok. À la prochaine. Avec ça. T'es venu pour acheter, j'espère. Hé, hey, comment ça va ? Ça, c'est de la qualité. Solide et bien fini. Hé, hey, t'es toujours là, toi ? Ok. Ok.
une seconde. Voilà. Saint John, tu me reçois? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Iron Mike dit que tu t'es porté volontaire pour rester dans le coin et aider le camp, mais que tu refuses de bosser pour Schizo. Hey, grosso merdo, ouais. Bon, je peux pas t'en vouloir. En tout cas, j'ai que toi sous la main. Alors passe à l'atelier de mécanique. Ouais, j'ai du boulot pour toi. Ouais, ça roule, terminé. Deacon, tu me reçois? Ouais, Ricky, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je voulais juste te dire que je suis désolé pour ce qui est arrivé à Boozer. Ouais, sûrement pas autant que lui. Écoute, Addy voulait juste que tu saches que si tu m'avais pas apporté le couteau d'amputation, Boozer souffrirait encore plus en ce moment. Ouais. Ça vous a juste permis de le charcuter plus facilement. Bref, on espère que... qu'il s'en remettra. C'est mon ami aussi, tu sais. Hé, écoute. Merci de nous avoir fait entrer, Ricky. Faut que j'y aille. Terminé. Je vous en prie! Maurice!